Moussa Cissé après son arrestation à New York. Comme nous le relayons dans un précédent article, un Ivoirien suspecté de meurtre une jeune mère et blessé son fiancé dans le hall de l'immeuble du couple à Harlem, en janvier dernier était recherché par le service de police de la ville de New York. Après plusieurs mois de cavale, Moussa Cissé, 19 ans dont il s'agit, a été finalement mis aux arrêts le vendredi 22 octobre 2021. Nous apprenons que le suspect se trouvait à bord d'une voiture volée à Harlem. Cissé est accusé d'avoir tué la mère de 29 ans et blessé son fiancé après une dispute dans le hall de l'immeuble du couple le 16 janvier, a annoncé la police. Il est prétendu que Cissé a tâtonné Smith alors qu'elle sortait de l'ascenseur de son immeuble de la West 150 TH Street, près du boulevard Frédéric Douglas. À un moment donné, Smith est allé chercher son fiancé pour l'aider et Cissé a ouvert le feu sur le couple, selon la police. Smith, NDRL la femme, est décédée à l'hôpital de Harlem et son fiancé a été blessé, mais a trouvé la guérison après plusieurs jours dans un centre hospitalier. Cissé qui fait désormais face à des accusations de meurtre, de tentative de meurtre, de possession criminelle d'une arme et d'utilisation criminelle d'une arme répondra de son acte devant les juridictions américaines.